Awe kote espoir soti nan fèt noir point ça. Ou konnen? C'est l'el paraît pi fèt noir grande bondi manifesté. MEBSH, Mission Évangélique Baptiste du Sud d'Haïti, croit en vérité ça et invité à participer dans 88e convention annuelle li sorti 10 pour 14 avril 2024 là dans Grand Tabernacle Simon au Caï sous thème Espérant contre toute espérance. Romains 4, le verset 18. Oui, la 88e convention annuelle de la MEBSH, un rendez-vous 100% espérance. Prédicateur qui choisit pour convention, pral di ou ak Bible nan men yo et sous direction Saint-Esprit, pour qui ça, qui Jean et qui bénéfice l'on place espoir ou nan bon Dieu. Sorti 10 pour 14 avril 2024, la 88e convention annuelle MEBSH au CAI, sous thème Espérant contre toute espérance. Romains 4, le verset 18. La 88e convention annuelle de la MEBSH, c'est la convention de l'espérance. Grandeur au bon Dieu.
Tel sera ta postérité.
Frères et sœurs et amis des ondes, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Vous suivez le 11e service dans le cadre de la grande convention annuelle de la MEBSH, baptisée Convention 100%. Nous sommes contents de suivre le 3e service d'études bibliques dans le cadre de cette convention. Comment sera le programme de ce culte? Le pasteur Maxilom Moïse sera le dirigeant. Il dirige l'église MEBSH de Cafourjout. Le pasteur Daguet Villanès, il est pasteur de l'église Savane Madame. C'est lui qui fera la lecture en Hébreux chapitre 10, versets 19 à 31. Le pasteur Lunès Silné fera la prière. Il dirige l'église MEBSH de Dussap. Il est surintendant de ce district. Et le pasteur qui fera l'étude ce matin, ce sera le pasteur révérend Ebel Nazaire, le pasteur de l'église baptiste de Guichard. Et la prière finale sera prononcée par le révérend Joannès Abilom. Et la bénédiction sera faite par le révérend Mélusmé Borgelin. Déjà, bonne adoration dans le Seigneur. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Nous bien contents maintenant pour nous ensemble avec vous. Dans le 11e, bien sûr, 11e service que nous gagnons dans la grande convention annuelle de la mission. C'est une convention que nous connaissons, qui a déroulé depuis ce maintenant sous le thème Espérant contre toute espérance. Donc, en cas de ça, c'est un rendez-vous que nous gagnons pour nous capables d'exalter le nom de Dieu. Et nous allons vous inviter à commencer à chanter avec nous le numéro 73, section française du recueil des chants d'espérance, Mélodie joyeuse. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Toute la gloire est à Dieu. Donc, c'est à Cantique ça, nous allons commencer et n'attendre. Vamos, Dieu, 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 Dieu
Nous poursuivons avec le cantique 155, chant d'espérance, numéro 155, au jour béni, jour de victoire. C'est un chant que nous connaissons bien. On a espéré que nous sommes capables de chanter là avec nos potes. Il peut tout garder.
Crie Alléluia. 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 Nous allons nous mettre debout pour entendre la lecture de la parole de Dieu qui vous sera apportée par le pasteur Daguin Villanès. Cette lecture se fera dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 avec ses 31. Et c'est pasteur Villanès qui passera pour nous apporter cette lecture à la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 31. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la provision de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est lui qui a volé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pur châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Tandis que le pasteur, Louis-Ness Sylney va se préparer pour prier pour nos matins, une voix sur des tickets qui dit: est-ce que ou pas qu'on est? Ou c'est un monde spécial? C'est tickets ça, on a chanté et immédiatement après, on va mettre nos noms en condition pour nous capables de prier bon Dieu avec le pasteur précédemment annoncé. Est-ce que ou pas qu'on est, ou c'est un spécial, c'est où bon Dieu choisi pour témoin? Va les ça qui perdu dans toute famille, c'est où
bon Dieu choisi pour témoin. Est-ce que, ou pas qu'on aime, ou c'est yon spécial, c'est où bon Dieu choisi pour témoin. Valde, ça qui perdu dans tout famille moyo, c'est où bon Dieu choisi pour témoin. Pour qui, mauvais jouillon, fais nous douter. Jésus, m'a dit pour nous, pas inquiéter. Aussi, t'aura séduit. Jésus, oh,
choisi pour témoin. C'est nous, bon Dieu choisi pour témoin. Amen. 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 Donc, nous capables toujours être debout. Et le pasteur à Villades, alors lui naît de préférence, s'il naît, va introduire nous dans la prière. Mon sauveur, berger fidèle, papa nous qui dans le ciel là, dans le moment ça, Seigneur, nous humblement prosternons devant pouvoir ou devant autorité ou. Pour nous dire merci, Seigneur, pour ce fin que fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ce bras fait pour nous. Nous vous merci de ce que, Seigneur, vous te rendez possible pour nous te gagner depuis mercredi. Nous sommes là dans la grande convention annuelle Mission 1. Ce n'est pas un bagage qui est facile pour nous, Seigneur, parce que tant te paraît difficile, mais on te gagne contrôle de la situation. Nous vous merci, Seigneur, de ce que vous te rendez possible, Seigneur. Mais nous arrivons dans le 11e service. Dans le cadre de la convention 88e, non, Seigneur. Merci, grand Dieu. Nous adorons, nous avons gloire, honneur, que nous même seul mérité. Dans le ministère, nous remettons chaque monde qui est là dans l'assemblée. C'est là que nous avons nous la côté de Seigneur qui a un problème. Nous demandons qu'on va visiter le grand Dieu et de nous connaître, Seigneur, c'est dans nous-mêmes. Nous mettons tout espoir, Seigneur. Maintenant, nous levons, Seigneur, comité exécutif mission en amène au grand Dieu. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth. Qu'on va diriger au Seigneur, bah y a un peu de sagesse, Seigneur, pour qu'on puisse mener mission ça au bon port, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, chaque chorale qui va chanter dans service ça, Seigneur. Nous demandons qu'on va accompagner au cantique que on va chanter, va édifier nom chaque monde qui l'a matin, chaque monde qui a écouté nous, Seigneur, à côté de Seigneur, avec nos grands dieux, Seigneur, nous remettons prédicateur nos grands dieux qui va venir, Seigneur, pour faire étude parole, Seigneur, pour faire nous connaître, Seigneur, comment, Seigneur, pour nous vivre. Dans le moment de désespoir, ça, dans le moment difficile, ça, grand Dieu, pour nous connaître comment pour nous marcher, comment pour nous comporter, nous, Seigneur, avec nous, Seigneur, guidez-nous, dirigez-nous, Seigneur, nous mettre pays d'Haïti dans le monde, Seigneur, qui connaît des jours difficiles. Nous demandons qu'on va venir en aide, nous, Seigneur, qu'on va dire un mot pour le pays, ça, Seigneur, afin que le pays d'Haïti va connaître un autre jour, un autre moment, Seigneur, et pays, ça, grand Dieu. Nous-mêmes qui des désespoir là-dedans, nous-mêmes qui désespérés là-dedans, Seigneur, nous à vivre avec espoir. Un jour, bagaille va prêter conscience, Seigneur. Restez avec nous, Seigneur. Mes services là, mais tout ça qui va faire dans ce service, il va faire pour la gloire, non. Nous prions au nom petit toi Jésus-Christ qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, pasteur. À la chorale, vous pouvez vous asseoir. La chorale de Miragouane. Et mes messages de Miragouane a préparé pour aller chanter pour nos matins. Maestro qui dirige Corazza, c'est Florentin Roxy. Pendant que yo a préparé, nous même n'a chanté yon cœur. N'a commencé à fredonner yon cœur. Pendant que yo même yo pral a préparé pour yo capable venir chanter pour nous même matins. Que ça que nous connaissons remet en pile et nous tous connaissons tout, c'est quelqu'un qui dit mais moi, viens offrir la vie. Donc, non, pour elle a pas avancé. Papa, ma terre,
déjà apparaît. L'abbé assurément par les dernières notes. Il a pu arranger dans ce sens-là. N'a pas rappelé nous que nous allons suivre depuis le grand tabernacle de Simon, la grande convention annuelle de la mission, baptisée sous thème ça, espérant contre toute espérance. C'est dans Romains chapitre 4, le verset 18, que nous jouons thème ça. Tandis que nous, après le côté choral là, tout à l'heure comme ça, il a demandé pour le monde qui à côté de nous et qui a suivi nous, capable d'entendre des paroles qui viennent en cantique ça, que Coral Labral offre nous matin. Petite cantique là, c'est bon Dieu là. Bon Dieu là. Est-ce que nous devons reconnaître que bon Dieu là? Bon Dieu là. C'est la chorale de l'église baptiste de Méagouane, de MBSH. Bon Dieu là. Oh,
Amen. Amen. Quand alors, bravo, mais l'on dit amen, on dit oui, ça c'est bien, ça c'est vrai. Donc, quand ça est intéressant, et bon Dieu content dans ce sens ça. C'était bon Dieu nous là, bon Dieu maintenant là, l'a agi pour nous. Tandis que nous sortis Miragouane, nous avons monté Piro Petit Gouave. Donc, c'est chorale Petit Gouave qui va défiler Kounia pour être capable de venir chanter pour nous-mêmes. Et titre que vous avez pour la présentation que vous avez fait là, c'est Espérant contre toute espérance. Donc, c'est un chorale qui est respecté effectivement, terminant à la lettre, c'est mot pour mot. Donc, il a présenté non Espérant contre toute espérance. Maestro qui dirigeait chorale ça, c'est le frère Bénis Loxiné, ou bien Loxine ou Loxiné, il n'y a pas accent aigu, je pense que c'est Oxiné, Loxiné ou Loxine. Donc, maestro, c'est ça, c'est Bénis. C'est lui-même qui vient présenter nous. Espérant contre toute espérance, auditeurs de Radio Lumière, ceux-là qui nous écoutent et ceux-là qui nous suivent, vous connaissez très bien, nous avons un plus gros spectacle spirituel qui était jamais présenté dans le sud du pays. Et ceci chaque année, c'est la MBSH. Donc, c'est un endroit où nous avons réuni des milliers de personnes, des frères et sœurs croyants en Jésus-Christ, et même ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore, ils ont estimé que c'est correct pour être capable là, parce que c'est à ne pas manquer. Donc, par conséquent, nous allons écouter tout à l'heure la chorale de Petit Gouave. Chorale Petit Gouave là, c'est lui-même qui va le présenter, non? Mosso Pali, Maestro Abay Denier Notio, c'est pas toujours facile pour tout bagaille marcher comme sur des roulettes. Napton, on dit toujours. T'as l'air comme ça. Prêt. Et voilà, c'est ça, y'a prêt pour Kounia. Partout, le monde s'effondre, l'espace en
Contre toute espérance, il est, croix, la seule réponse. Donc, c'est l'Éternel des armées. Contre toute espérance, il est la seule réponse à la chorale de l'église MBSI de Port-Rapiment. L'église MBSI de Port-Rapiment, après chanter pour nous-mêmes, espérance. Donc, ce n'est pas espérance seulement lui-même, c'est espérance même. Que il va chanter et maestro Coralsa son ex chic chic choc mettre préparé nos matins hein? C'est parti bagaille pour aller là c'est pasteur Ivio Sanon et pour gain Ivio Sanon connaît pour gain bagaille dans main donc n'a passé pasteur Ivio Sanon avec la chorale de Port-Rapiment. Donc c'est lui-même qu'on y a qui va présenter nous. Mosso Payo titré espérant. Espérance de préférence. Donc espérance. L'église de Port-Rapiment. Chorale là a défilé là et a arrangé pour prendre place là, place sous chair. Du royaume de la troisième église baptiste. Je ne sais pas si des cailles, donc troisième église. De toute façon, il n'y a pas des cailles là-dedans. Mais si, je peux le penser, c'est troisième église Baptiste des cailles qui va le présenter. Après, immédiatement, après la chorale de Port-Rapiment, va venir chanter pour nous-mêmes. Lisez, bon Dieu, nous tous, lisez, bon Dieu, par, lisez, bon Dieu, par.
Amen. 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 Comme précédemment annoncé, les dames du royaume de la troisième église baptiste d'Écaille va venir nous présenter. Et Mosopayo, dans l'occasion, le titre que vous avez pour cantique ça, c'est Bon Dieu, non, bon Dieu, pas qu'on en retard. Bon Dieu, pas qu'on en retard. C'est Maestro Rilma Dorelus qui dirigeait Choral ça, Choral de la troisième église baptiste d'Écaille. Et je vous rappelle que cette église est dirigée par le révérend pasteur Jean Admet. Donc, Choral a avancé. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons très bien que nous aurions chanté. Pendant que Choral a fait avancer, nous aurions chanté Tikwe ça avec nous qui dit Il est exalté le roi au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est à louer son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Ben, ils sont à préparer lui. Il y a des. Il fait commencer à avancer. C'est un pile monde qui fait partie de Kouralsa. Non, pas continuer à chanter parce que nous avons distrait au dos. Nous avons venu. Nous avons arrangé l'hôpital. Dans ce sens-là. Donc, immédiatement que Choral 3e Église a fini de chanter, c'est Choral District de Tiburon qui va chanter pour nous-mêmes. Choral Église de. Alors, District de Tiburon, c'est lui-même qui va chanter pour nous, apparaît que Choral a fini. 88e Convention de la MEBSH. Donc, c'est une grâce que bon Dieu fait nous pour nous capables de gagner mission MBBSH dans le sud du pays et à travers même presque tout le pays. Donc, le centre, c'est ici. Et c'est une grâce que bon Dieu bat nous-mêmes, monde dans le sud, pour nous gagner mission ça. Ah, c'est une mission qui fait un pile d'activité. Qui gagne en pile institution, qui baille en pile monde travail. Il y a parlé de monde dans l'évangile qui ne baille en rien, on ne peut pas dire ça de nous-mêmes. Et on dit religion ne baille en rien, ce n'est pas de nous-mêmes, mais bien ça, j'ai parlé. Parce que nous-mêmes, nous sommes utiles et très utiles, pays et communauté, côté nous, à vivre là. Et je crois que c'est sauter aux yeux tout le monde. Qu'on est que MBSH représenté. C'est bon Dieu qui fait. Attends, est-ce qu'on est content parce qu'on a présenté bon Dieu matin? Amen. On a ton gros bravo pour ça, bon Dieu a fait dans le temps de matin. Bon Dieu est capable. Il a continué à faire toujours. C'est dernière note que Maestro a bon nom matin. Pifwa nou ap imagine nou pose tèt nou kesyon eske se da pwè sa nou tande selman bon Dje kon aji
chorale qui passait déjà, yo, c'est merveille. J'ai chanté et nous chantons réellement bien. Donc, on a continué pour nous auditionner chorale. Yo. Et nous pas bouqué tant de yo. On a passé toute chorale qui nous a matin en amène yo. Et nous tout a chanté pour la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, on a auditionné avec plaisir, matin. Donc, la chorale du district de Tiburon, c'est eux-mêmes qui gagnent pour venir apporter pour nous-mêmes. Oui, on a espéré. Oui, on a espéré. Pasteur Hilaire Manoni, c'est lui-même qui est maestro chorale ça. Oui, on a espéré. Après ça, nous allons gagner à chorale de Dériveau qui va préparer lui immédiatement à parler le district de Tiburon pour être capable de présenter un bien morceau paio à la gloire de Dieu. Il n'y a pas avancé. C'est 11e, alors service ça, c'est 11e service que nous gagnons dans une série de services pour la grande convention annuelle de la mission. Donc c'est l'heure de l'étude biblique. Et à préparer tout à l'heure comme ça. On va avoir une chance pour nous capables d'entendre Pasteur Abel qui vient pour et Belle qui vient pour présenter pour nous-mêmes. Étude biblique. Mais entre temps, c'est courageux maintenant capé. Défiler pour capable honorer le nom de Dieu dans un moment. Presque prêt. C'est dernier notre bail à Konya. Après rappeler une c'est district de Tiburon qui est là ensemble avec nous matin. Espera.
Amen. Amen. Oui, Nabès, oui. C'est ça la foi. Oui. Dis. Donc, si la foi nous mène, nous, après bon Dieu dans le ciel là, nous connaissons clair et net lorsque nous placons la foi dans le bon Dieu. Nous sommes capables d'espérer et bon Dieu, ça le dédie à la fête quand? Quand même. D'accord. Comme je t'ai annoncé déjà, c'est chorale de Dérivo. MBSA de Dérivo, qui a bien présenté nos morceaux par eux. Alors, titre que vous gagnez, c'est Tonne et Espérance. Donc, c'est ça que vous gagnez comme petit morceau que vous avez présenté dans le cours. Donc, maestro, c'est Message Saint-Clair. C'est Monsieur Message Saint-Clair. C'est lui-même qui va diriger le choral ça pour nous-mêmes, matin. Donc, abandonnez-nous pour nous capables, préparez-nous pour nous capables d'écouter avec plaisir. Chorale du Dérivo. C'est maestro, mais son maestria. Son maestria, c'est madame Message Saint-Clair. C'est lui-même qui dirige le conversa. Il n'a pas été dit un autre jour. Vous allez voir ça pour ce qu'il apparaît. Vous êtes capable d'offrir nous un morceau Bali. Immédiatement que Coral Dérivo finit de chanter, c'est les femmes de Béro. Les femmes de l'église baptiste des bureaux, c'est eux-mêmes qui vous mettez auprès pour être capable de chanter à la gloire de Dieu. Maestri Abay, dernière note là, on a demandé corps musical là pour les continuer by en musique en background pour nous-mêmes. Il est exalté. Pizza.
Amen. Pour aller réellement bien passer là par rapport à la présentation qui réellement fait bon Dieu plaisir et fait nous-mêmes contents matin. Nous gagnons les dames de Béro. C'est eux-mêmes qui peuvent passer pour capable offrir mon sopayo. Donc, mon sopayo a titré Jésus pas loin retourner. Jésus pas loin retourner. Donc, c'est un morceau ça que vous allez présenter nous, Kounia. Est-ce que ça m'a assez ça? Moi, c'est non, pasteur Jonathan. C'est sœur. Ah, c'est madame. C'est madame pasteur Jonathan. C'est madame pasteur Jonathan qui les mêmes a dirigé le groupe. Ça m'a demandé, ma quoi de parce que je n'ai pas de maestro. Donc, c'est madame. Présentez-nous Jésus par loin tourné. Donc, malgré n'a pas espéré, mais dans toute espérance, nous avons espéré le retour de Jésus. Est-ce que nous d'accord avec ça? Oui, n'a pas espéré toute bagaille. N'a pas espéré mariage, n'a pas espéré un bon job, n'a pas espéré voyage. Bon, et puis me dit, voyage, là, on connaît Biden, non? Donc, tout bagay sa ou n'a pas espéré yo tout. Mais pendant n'a pas espéré tout bagay sa ou tout, n'a pas espéré le retour de Jésus. C'est pas ça? Amen. Donc, c'est ça. Béro, c'est dans l'église que moi été pour un petit temps pour me diriger. Que là, le message te voyait me la donner pour un temps. Et c'est tout là, c'est mon yo qui connaît, moi, je connais yo tout. Son bon monde sérieux que yo yé. A fait mon bagage à la gloire de Dieu avec pasteur Jonathan. Jésus.
Amen. 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 Nous apprenons, ça s'attend à bon fruit. Et ça, Jésus, nous apprend pour nous vivre. Nous prenons le monde pour le monde qui est responsable pour faire offrande dans l'Assemblée. Capable, préparer pour faire ça. Nous chita longtemps à Pontyprise, dans Mercoralio. Et nous allons chanter Levé dans moi avec soleil là, comment ces tâches aujourd'hui, premier bagage que vous avez fait, c'est louer bon Dieu à tout cœur. Nous avons pris debout pour nous capables de faire ça. Et nous avons pris un couplet, la dernière. Immédiatement que nous finissons de coupler ça, et pendant que nous avons ramassé, la chorale de Maroutière. Chorale Maroutière, qui est pour le passé lui-même. Et puis, il va chanter pour nous-mêmes. Comptez-moi la donne. Comptez-moi la donne. Maestro, c'est Maestro Innocent Villanès. Villanès. Ah, c'est Madame Pasteur. Son maestria, c'est Madame Pasteur qui vient pour le faire ça. Levé non moins. Levé. Quatre. Levé non moins à soleil. Comment c'est ta choujouté. Béga ou gaspille tant ou l'yose y'a ou d'aider yo d'envoyer talent ou yon non tout va juger à la fin levé dans moi actionner comment c'est ta joue. Joïa, premier bagaille ou bien bouffé, c'est loué, bon Dieu. Biga, 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 ou gaspille tant, ou bio, c'est la boule, nous, envoyer ta langue ou bien, non, tout va juger à la. Chorale Maroutière. Tout chorale yo bien habillé, réellement bien habillé. En pile effort, malgré pas de moyens. Et le Seigneur fait plan. Est-ce que nous remarquons que chorale yo bien habillé? Oui. Qui est-ce qui fait ça? Grâce bon Dieu, grâce bon Dieu. C'est grâce bon Dieu. Parce que bagay yo pas bon vrai, mais bon Dieu a un plan. Et bon Dieu fait plan. Fatigué, y'a aucun reconnaissance pour ça.
li mette mien wo, tout a li remem, ba kote tout an a prele. Pante m'ladan, pante m'ladan, pou met pante m'lan fousa. Nous dit amen à Bifor. Amen. Amen. Bien. Nous allons poursuivre. District d'Eli Lavache. District d'Eli Lavache, c'est eux-mêmes qui ont avancé qu'on y a. Titre chant que va chanter, c'est Seigneur. Seigneur Riel. C'est Madame
Dérimus Daré. C'est les mêmes qui maestria. Coral ça qui va chanter pour nous-mêmes. Seigneur réel. Donc, est-ce que nous trouvons Seigneur réel? Est-ce qu'il est réel dans la vie? Écoutez Coral là avec un plaisir pour tendre qui message que il voulait partager ensemble avec vous. Apparaît que Coral de Lille Lavache va venir chanter. MBSH de Massé va besoin préparer pour être capable d'avancer pour sélection spéciale ballon. Pour aller là-bas au film monté. Donc, c'est un pile monde. Fait partie, alors naturellement, c'est le district de l'île Lavache. C'est-à-dire, c'est plusieurs églises qui mettaient ensemble pour être capable de présenter ces lectures. Et puis, apportez patience. Arrêtez en pile, passer ça. Moi, bien, quand c'est que vous allez comme ça, on a fini avec Coralio. Donc c'est après ça c'est deux seulement. Donc pas de problème même dans cas ça. Je suis presque prêt. Yeah.
Ça marche, oui, là. Sorti, ça marche. Moi, nous content. Gloire à Dieu. Donc, Éternel, pas qu'à quitter au mari ou tout. Il y a pour le pas. Il y a pour le pas. Amen, amen. Mais oui, c'est ça. Donc, la chorale de Massé, bon Dieu te promette. Bon Dieu te promette, c'est chant ça, que sous la baguette, on ne dit pas la baguette magique quand même. Sous la baguette de la maestria Ghislaine Jean-Pierre, et c'est lui-même qui prend la potée, eh bien, mon sopayo pour nous-mêmes, c'est l'église Massé. Et puis immédiatement après l'église Massé, on aura en fait Rocher d'Horeb. Rocher d'Horeb de Jean Daudet. Rocher d'Horeb. C'est donc la chorale, la dernière, qui mettra clou à cette série de présentations des différentes chorales de la mission qui ont été sélectionnées pour ce matin. Donc, par conséquent, on a pris patience tout petit et nous comptons tout parce que nous voulons réellement chanter bien. On a rappelé à tous nos auditeurs et ceux-là qui nous suivent, nous sommes au Grand Tabernacle de Simon, donc le lieu qui est en fait désigné par la mission de la MBBSH depuis des temps pour que les grandes festivités spirituelles ont lieu. Donc, nous comptons maintenant. Parce que on a participé dans grande festivité ça et donc quoi que auditeurs nous ont trouvé tout le monde capable de nous sentir content matin hein, parce qu'il a savouré de très bonnes choses de activité ça qui pareil. Bon Dieu te promette. Bon Dieu te promette. Église Massé. Bon Dieu te promette nous, pour le bon nous Jésus-Christ, pour le vin mourir sous la croix, pour sauver de l'enfer. Son femme n'a pas mérité, mais l'idée de bonne la gloire, qui te dit promesse, bon Dieu. Génération, il est tellement laid.
Donc, c'était bon Dieu qui fait une grâce, la promesse qu'il a fait à toute génération. Yo. En fait, comme nous t'ai annoncé déjà, c'est pas une chorale, mais c'est un groupe d'hommes. Le groupe d'hommes du Rocher d'Horeb, de Jean d'Autun, et c'est groupe ça qui a passé pour capable de mettre fin à cette partie de cette cérémonie de ce matin. Donc, Rocher d'Horeb, c'est dirigé par le maestro Charles Crisnel. Maestro Charles Crisnel, c'est lui-même qui a enseigné pour ça. Et mon seul pas chanté matin, c'est mettez tout espoir nous dans bon Dieu. Mettez tout espoir nous dans bon Dieu. C'est avec mon sous ça matin. Nous prenons une chance pour nous mettre fin à différentes présentations ensemble des chorales de groupe qui est ensemble avec nous matin dans occasion spéciale ça. Mais soit à pas arranger ses hommes. Donc, on a guerre, la guerre, la guerre,
besoin de courage. Mon cher, mettez à frapper, oui, attendez. Mettez à frapper. Est-ce que nous sommes contents avec tout le chorale qui a chanté matin pour nous? Pas tout gros bravo pour vous. Gloire à Dieu. Donc, mettez à bien mettre. Ok, nous allons chanter juste. Alors, naturellement, nous avons avancé dans une série de parties qui est très importante encore. Tout à l'heure, comme ça, nous allons gagner l'opportunité pour nous accueillir. Il y en a un responsable de la mission, donc qui fait partie du comité exécutif de la mission. Il s'agit de pasteur François Renel, mais juste avant, et nous va Renel, naturellement. On va gagner le président Mbédé là, qui c'est enveloppe 88e, 100%. Donc, tout à l'heure, comme ça, nous allons passer par le pasteur et François. Il va le faire chanter, chant convention. Ensuite, remettre enveloppe 100% euros. Enveloppe 100%, commencer à marcher, oui, sinon ça m'apprend. Donc, il faut faire marcher plus. Mais, levez non moins, avec soleil, deuxième couplet. Pinga, alors non, naturellement. Toute parole de Chita London. Toute parole nous y cesse, conscience doit toujours clair, parce que Dieu veut tout savoir. Les grands, toutes pensées dans tous, vigas. Pinga, oh, 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 oh
mon Dieu gloire. Le pasteur Redel François, il est membre du comité exécutif. Nous le remettons tout de suite le micro pour les suites nécessaires. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça applaudit le Seigneur? L'homme dit comment ça va? Est-ce que quelqu'un peut nous songer? Est-ce que quelqu'un ancien a songé? Hein? Ou songé ancien qui te combattre le bon combat de la foi? Hein? Puis près de nous, là, l'ancien président, pasteur Al 9000, te remédie ça, ancien, te remédie ça. Et ça fait me venir à Timo ça matin pour me faire songer bon travail ancien qui te fait. Et maintenant, qu'on y a nous-mêmes, bon Dieu, mettez-nous là pour nous travailler. En nous travaillant pour le Seigneur avant. Comité exécutif là prend note de Coralio. Comment Coralio bien habillé? Applaudis Coralio, mes amis. Coralio bien habillé, nous, bel costume, hein? Bel costume bleu, vert, rouille, marron, blanche, toute couleur. Dans mauvais temps, ça, nous avons imaginé tout à l'heure, côté Mounio jaune d'argent, mes amis, pour faire bel costume, ça, pour venir chanter. Toute gloire pour bon Dieu. Mais MEBSH, nous mettons préparer nous après commençons ça pour nous tant de bénédictions, non, mais bon Dieu. Nous saluons des frères, des pasteurs qui travaillent avec nous, qui sont dans l'international là. Nous saluons pasteur Johnny Espérance, nous saluons pasteur Lucien qui est dans Saint-Martin, et nous saluons pasteur Saint-Julien qui au Canada, qui a auditionné la convention ça. Nous saluons quelques monde qui travaillent avec nous. Depuis que je viens dans le ça, c'est deux choses que je fais. Premier, ça, je présente l'enveloppe. Et deuxièmement, je présente le messager du jour. Eh bien, pour question enveloppe, nous t'étendons mot d'ordre, président mission, dit-il,
Il te dit, c'est enveloppe. Comment enveloppe la relé? 100% qui ça? 100% espérance. OK? Donc, il y a un monde vraiment qui prend ça en passé avec enveloppe. Yo. Enveloppe ça, il y a un bon travail que il pral faire. Si ou enveloppe la passe côté, yo, bon Dieu mette sous cœur, prend une enveloppe et dit, bon, si Dieu veut, ou ap défilé koto chita, ou ap levé en dansant, en louant le Seigneur pour nous venir déposer enveloppe nous yo dans pied bon Dieu au nom de la mission pour le travail de l'œuvre, parce que gen en pile bagaille, en pile travail que nous besoin faire dans l'œuvre là. Et hier secrétaire mission te gen en bail, eh bien numéro malheureusement pas avec lui là, mais gen en pile monde qui gen elle déjà. Si ou nan international là, ou voulez collaborer avec nous, eh bien président secrétaire mission il te bail numéro que nous capable déposer l'argent. Et comme ça tout m'apprendre, il y a pile monde qui commençait voyer l'argent by famille, eh bien pour famille capable déposer dans enveloppe. Par exemple, moi même moi j'ai gagné pasteur Magloire Félix qui voyait bon moi, madame Magloire Félix qui voyait bon moi, nous gagné Gasner tout petit yo qui voyait bon moi, nous gagné Saint Marielle René mon Jean Dodin qui voyait enveloppe bon moi pour me gagner en bail. Eh bien, on a demandé tout pays à tout international là pour emboîter les pas avec moun sa yo, parce que l'agent a voué a fait un très bon travail dans pays à. Et me crois que yon le président mission va venir pour le dire, mes amis, tout moun qui t'est coopéré, mais bon travail l'agent qu'a fait, quel que soit sa bon Dieu baoua, dimanche si Dieu veut, mettez l'enveloppe pour venir déposer dans le pied de Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure a marché sous nous, nous pas capables de rester davantage. Maintenant, nous avons un nouveau pasteur qui a venu présenter nos études là. Vraiment, jeudi matin, avec vendredi matin, nous avons pasteur nous qui était pasteur Gadi, Jean Gadi Auguste, qui t'a présenté deux études. Est-ce que nous t'es béni? Est-ce qu'on comprend le béni matin? Eh bien, matin, nous avons pasteur, ingénieur, agronome, professeur, ah oui, en plus, un serviteur de l'Éternel. Il s'agit du révérend pasteur Ebel Nazaire. Il est là accompagné de sa femme. C'est un pasteur de la mission évangélique baptiste du site d'Haïti. Comme je viens de vous dire, c'est un ingénieur, un agronome, professeur au niveau universitaire et surtout dans la faculté de théologie de la mission MEBSH. Donc, c'est un plaisir matin, m'a demandé, peuple bon Dieu, faut-il camper, bye bon Dieu gloire. Je suis à longtemps, camper, bye bon Dieu gloire, pour ces jeunes frères, jeunes pasteurs, jeunes leaders, que bon Dieu bon nous, dans la mission MEBSH. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, veuillez vous asseoir. Toute la gloire est à Dieu. Source d'espérance pour tous. La résurrection de Christ, source d'espérance pour tous. Frères et sœurs, auditeurs, internautes, amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Nous avons un privilège pour que matin, nous sommes capables parmi Silayo qui a une lourde responsabilité pour parler sur bel et grand thème ça. Et nous sommes contents, c'est un ami, collègue, un monde que nous avons habitué à monter plusieurs mois ensemble. Parce que j'ai regardé Auguste, nous sommes ensemble. Amen. Donc nous sommes contents pour ça. Le troisième bagage qui peut être uni, nous ne pouvons pas dire, madame, monsieur, c'est Moun Beaumont, madame, moi, c'est Moun Beaumont. Donc, nous tous deux montons ensemble pour nous aller dans là. Alors, travail matériel, c'est pratiquement un travail de professeur, un travail académique. C'est peut-être pas l'autre forme de prédication. Et comme ça, moi, féliciter la commission qui a planifié décoration tabernacle là.
Parce que couleur choisie, c'est exactement le thème. La couleur verte, c'est la couleur d'éternité. Amen. Si nous regardons, nous avons une petite couleur or, c'est la couleur du ciel. Pas vrai? Dans le ciel. Et nous avons la couleur blanche qui veut dire tout, la sainteté. Donc nous, comme chrétiens, nous avons marché dans la sainteté pour, parce que nous avons espérance pour aller dans le ciel. Nous sommes clairs sur ça? Je m'a suis cherché dans toute belle cravate que j'ai eue et puis j'ai réussi à jouer ça. Je me dis, ah, je suis correct, net. Donc ça, c'est toujours difficile pour madame, parce que quand elle est là, elle va chercher lui-même et puis elle va comme ça. Et puis elle joue une belle jaquette, Jean-Well gagne. Merci Frère Yves, vous levez le micro, mais on est en haut pour moi. Merci en pile. Moi, je voulais saluer maman qui peut suivre nous, Kounia. Je voulais saluer grand frère qui était très rigide ensemble avec moi, Zachary Nazaire. Moi, je crois qu'il peut suivre nous, et Naomi, et en pile l'autre monde. Moi, je voulais voir un gros coup de chapeau pour pasteur Maxime Pierre-Pierre. C'est un monde qui les met en pile discipline dans nous, la façon que nous devons présenter. Et parce que pendant que tout salué, on va voir belle gang Genza, pas vrai? J'ai regardé tes deals. Et montrer que c'est beau mot gain plus belle femme yo. Merci au bon Dieu bénis nous. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 4, les versets 17 jusqu'au 25e verset. Je t'ai établi père de grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Amen. On va avoir une belle voix comme ça, vous devez entendre. Je ne peux pas lire bien comme ça. Hein? Je ne peux pas lire bien comme ça. La lettre de Paul aux Romains, quelle que soit sous langue qu'on la considère, avec que leur ou appelé, livre Paul écrit aux Romains, quelque façon d'avoir les gardés, li, yo considéré comme point culminant, point qui pire haut, à travers toute Bible. Luther dit, Luther c'est là qui était venu avec mouvement la réforme. Et Luther c'était professeur exégétique et la mission mais la responsabilité de Luther l'évangile romain était changer la ville surtout dans le chapitre 1 verset 17 quiconque est parvenu à la vraie compréhension de cet épître a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus profond secret du trésor de l'écriture. Avec un monde qui bien comprend le livre romain, ou a grand l'opportunité pour que ou capable de comprendre la Bible en général et enseigner ça qui là-dedans. Il y a un certain Tadal qui écrit dans la première page dans le livre ça que lui écrit qui c'est il y a un commentaire que le sous Épître aux Romains. Il reprend deux idées que Luther avec Calvin t'époté pour te dire que Épître ça
li constituer ça te capable reler essentiel, l'essentiel même de l'évangile. Gen yon lot ki ale pi loin pou le di, même Jean gen yon proverbe qui dit tout chemin mène à Rome. Et bien il dit quel que soit côté ou t'avle aller dans la Bible là, ou besoin passer par l'épître aux Romains. Si vous cherchez quelques doctrines qui intéressant, par exemple Dieu, l'homme, le péché, la loi, le jugement, la foi, les œuvres, la grâce, la création, la rédemption, la justification, la sanctification, le plan du salut, la prédestination, la reprobation, la personne et l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, l'espérance chrétienne, la nature de l'Église, la place des Juifs et la place des non-Juifs dans le plan de Dieu, la philosophie de l'histoire du monde et de l'Église, la signification de l'enseignement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, du baptême, les principes de piété, les principes d'éthique, les principes de piété personnelle, les devoirs du chrétien dans la société. A kopi l'autre bagarre encore. Le nous a abordé épître là, nous réaliser que c'est vraiment un livre qui est riche avec en pile bénédiction. Mais l'on prend de façon globale, ou après lit comme ça. Mais qu'on a l'on prend par section, parce que nous connaissons la Bible là, l'est divisé en livre, en chapitre, en section et en verset. Donc chaque fois qu'on a la Bible là, on a besoin de garder la façon ça où que y aura arrangé. C'est vrai que la Bible, la première Bible qui était gagnée, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de section. Mais monsieur qui avance avant que nous ayons quitté là avant, il a réussi à faire bon travail ça. Premier chapitre là, avec le deuxième chapitre, livre romain. Donc, l'on appelle, on sentit que le monde fermé, c'est un monde de désespoir, pas d'espoir pour eux-mêmes. Tandis que, l'on apprend dans le chapitre 4 et chapitre 5, là, on sentit que l'on lui a d'espérance qui a prouvé, une porte qui ouvrit, et surtout, un plan que bon Dieu fait à travers la vie de Jésus-Christ pour permettre que le monde soit capable de sauver et permettre que le monde joigne la vie. Mes frères et sœurs, nous trouvons que la Bible en général, et particulièrement le Nouveau Testament, eh bien, espérance là, li pas paraître vraiment avec la vie chrétienne. Les espérances du Nouveau Testament n'apparaissent vraiment qu'avec la vie chrétienne. Ça veut dire que c'est là que nous commençons à parler de la chrétienté, c'est la résurrection de Jésus-Christ même qui vient bailler poids à ça de parler d'espérance là. Donc, on a parlé d'espérance. Premier élément qui doit passer dans la tête, nous, c'est un Jésus qui est venu, qui est fait, qui grandit, qui vive, qui mourit, mais surtout qui ressuscité. Amen. Donc, la résurrection de Jésus-Christ en elle-même, lui, c'est force, lui, c'est base et lui, c'est origine. Ça n'a pas parlé d'espérance. Ou pas capable de dire ou espérer longtemps ça, si vous pas croyez dans Jésus. Si vous pas croyez dans Jésus, donc, ou pas qu'on l'a espérance en même. Elle commence avec la résurrection de Jésus. Elle prend corps. Ça veut dire qu'il commence, il est capable de dire ce squelette là, il est tout petit, il a grandi. Et puis le Jésus voyait le Saint-Esprit vient descendre sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Eh bien, ça vient jouer un rôle à travers toutes les épîtres qui viennent permettre que nous gagnions le Nouveau Testament. Donc, en un mot, l'évangile, en fait, vient ouvrir porte. Hein, la résurrection de Christ vient ouvrir porte. Mais à qui espérance? À une espérance qui est très grande, mais c'est à l'espérance éternelle. Et espérance éternelle, ça, parfois, l'icône soumet, l'icône a frappé à s'annouer les dépressions qui t'a voulu vraiment dissiper. L'on parle de dissiper, qui t'a voulu bloquer, qui t'a voulu ennuyer, donc toute la vie d'espérance. Cependant, quand l'espérance semble toucher à sa fin, nous devons savoir, comme Abraham, hein, que nous servons d'abord le Dieu qui donne la vie. Nous servons le Dieu qui donne la vie. Donc, avec le tout espoir, tu as perdu pour vous-même, ou pas ni à gauche ni à droite, selon le verset 17, ou pas le besoin qu'on ait, et ou pas le besoin clair sur ça, ou observer le Dieu qui donne la vie. Deuxièmement, ou a besoin qu'on ait que ce même Dieu, il appelle les choses qui ne sont point comme s'il était. Donc, là, nous parlons d'espérance. Donc, on va penser à un avenir, à un demain.
Et pour penser à venir et à demain, ça, faut penser à un Dieu. À qui Dieu? C'est pas un bout de roche. C'est pas un Dieu qui est incapable. C'est pas un bon Dieu qui est faible. Mais c'est un bon Dieu qui est vivant. Non seulement bon Dieu vivant, mais bon Dieu capable de prendre ça qui peut même exister pour faire des bagages extraordinaires. Il est capable de servir avec les choses nulles et rien pour faire de grandes choses à sa gloire et pour sa gloire. Mes frères et sœurs, le principe de l'espérance s'étend dans l'éternité. De pouvoir parler de l'espérance, ce n'est pas ouais demain. Moi, besoin clair à nous tous qui attendons nous là, et si là vous attendez nous à travers les réseaux sociaux et à travers la Radio Lumière. Thème convention, pape, enseignez-nous que demain Haïti a bon échange. Ce n'est pas ça que nous venons enseigner là. Ce n'est pas qu'après nous sortions dans la convention, ça, eh bien, mon cher, tout n'est qu'à aller Port-au-Prince ou qu'à aller Matissan, tout côté, c'est comme si tout n'était pas facile. Ce n'est pas le premier travail thème ça. Et de la mission prophétique de la MEBSH, il fait travailler ça bien. Si vous songez à travers différentes conventions, vous avez annoncé ce temps ça, que nous vivons qu'on y a bien pour venir. Mais le thème aujourd'hui a préparé vous. Même si vous avez traversé tant difficile aujourd'hui, mais gain espoir que temps pas prêté comme ça. Ou qu'à mourir demain, parce que puis qu'on attend nous comme chrétiens, nous qu'à mourir. Mais même si vous mourir, vous connaissez que bon Dieu a changé bagarre là pour petit. En même temps, il a un pouvoir bon Dieu pour que moi avoir capable gain chance avec opportunité pour nous avoir demain nous changer. Nous clair avec ça. Gain opportunité ça. Donc le principe même de l'espérance étant dans l'éternité. Et il est capable de soutenir dans les difficultés quotidiennes de la vie. Thème ça a armé tout le monde qui l'a pour marcher dans le désert. On parle avec moi, non? Thème là a fait bon qui ça? La bonne capacité, la bonne énergie, la renflouer avec force pour marcher dans le temps difficile là. Pour qui ça, la bonne force ça pour marcher dans le temps difficile là? Eh bien, c'est parce que on connaît ou pas pour corps dans la route là et au grand finalité. Donc l'espérance en elle-même, l'y pousse dans l'éternité, l'y pousse dans l'avenir et non dans le présent. Et puisque le pousse dans la vie où on est grand côté pour aller, donc il y a espoir pour avancer. Dans le psalmiste, dans le psaume 146, écrit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » M'appelez pour vous encore. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » N'a dit espoir, pas espérance. Espoir poussé à l'espérance, mais espoir, pas espérance. L'espérance s'étend vers l'éternité, et nous parlons de la définition plus claire, mais l'espoir, c'est une force qui a, son synergie, ou bien, tu es capable de dire, son force qui a poussé vers l'espérance. Par exemple, il y a des gens qui ont espoir, ils ont pris le voyage, peut-être qu'ils savent, parce qu'ils ont appliqué dans le programme Biden. Ou ont espoir. Mais espérance qu'on a gagné, hein, c'est que Jésus a tout de même cherché. Il y a des gens qui ont espoir, ils ont appliqué leur job, ils ont relevé, ils ont fait la première interview, ils ont fait la deuxième, et puis ils ont dit, je viens de travailler 1er mai. Ça, c'est espoir, 1er mai, je vais commencer le travail. Mais espérance, depuis que j'ai accepté Jésus comme maître et Seigneur de la vie, je vais gagner la vie éternelle. Donc, l'espoir n'est pas l'espérance, mais l'espoir donne une synergie d'espérance. L'espoir nous permet de vivre dans l'espérance, mais l'espoir en elle-même n'est pas l'espérance. Moi, je voulais souligner ça en pile pour vous dans la Bible. Et d'ailleurs, vous regardez ça dans le verset 17. Côté nous jouons un thème dans Romains chapitre 4, le verset 17. Moi, je voulais souligner pour vous-même. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de grand nombre. Texte a parlé d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre père parce qu'il a cru. Il a cru en qui? En Dieu. Le mot Dieu est mis en apostrophe dans le texte.
Et auteur, là, l'apôtre Paul, lui a ajouté deux éléments qui corrigent ça que le fin dit. Le bon Dieu, ça, que Abraham te croyait, c'est pas n'importe qui bon Dieu. Qui ça lui dit de bon Dieu, ça? Dieu. Ce Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts. La première chose à souligner. Ce Dieu donne qui ça? La vie aux morts. Maintenant, je ne sais pas qui bon Dieu que vous comptez. Paul te prend temps pour le dire, Abraham a confiance, le bon Dieu qui bat la vie aux morts. Et deuxième bagaille, c'est un bon Dieu qui a une capacité, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est un bon Dieu qui a une capacité pour prendre ça pas de voix, pour faire des bagailles extraordinaires avec. Donc, notre démarche espérance, là, Paul Finn dit deux bagages, ça, deux capacités ou bien deux caractéristiques de bon Dieu, ça. Et puis, dans verset 18a, il dit espérant contre toute espérance. Amen. Espérant contre toute espérance. Pour qui ça, l'espérer contre toute espérance, avec le bagage espérance du tout, c'est parce que Abraham a servi un bon Dieu des vivants. Est-ce que là? Pas que pas mort. Tout le monde qui gagne Christ en la vie ou là ou pas mort. Paul dit Christ est ma vie, la mort met un gain. Nous chantons dans le cantique ça, c'est ferme un gène ici, l'ouvrir l'autre bord. Donc le mort vient au passage. Donc pas mort. Deuxièmement, son bon Dieu qui est capable de faire. Qui est capable de relever n'importe quoi qui puisse simple pour faire des choses extraordinaires. Et qu'on est dans la vie chrétienne, dans la vie que nous avons menée, comment considérer bon Dieu? De vos problèmes avec difficulté, comment ouais bon Dieu? Est-ce que vous pensez bon Dieu? En pile fois, en pile là, nous, bon Dieu, nous, c'est téléphone. Nous avons un problème, nous pouvons arriver à Blo, ou après l'homme qui est aux États-Unis, ou après l'homme qui est au Canada, ou après l'homme qui est Port-au-Prince, ou après l'homme qui a conduit pour le Port-au-Secou. Tandis que bon Dieu là, à bon côté. En pile fois, nous, après Léa, il y a 10 problèmes. Moun wap pense comme source qui pourrait do là, lui même il te gagne trop tête chargé. Il te gagne problème pal et problème pal là ça qu'elle pas très lourd parce que le connou pas ka aider. Mais on gon bon Dieu qui gagne capacité, là quel que soit problème qu'on relé là, à l'instant wap joindre. Et bon Dieu ça qui observe ya, li pas qu'on gagne problème signal, pas qu'on gagne problème réseau, pas qu'on gagne problème 4 matin, midi, soir, à soir, ou frapper, ou abjoindre. Donc, ou besoin d'espérer dans bon Dieu ça. Dans Luc 20, verset 38, nous dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tout le monde qui a compté dans bon Dieu, ou sont vivants, même si la mort paraît devant. Et pour que ça nous dit, c'est le Dieu des vivants. Pour les bagages que bon Dieu fait, je pense que Jean-Gardi t'a dit hier, pour résoudre le problème péché, libère Jésus. Jésus vini, il mourit. Et comme il mourit, il ressuscité. Et puis il dit, n'importe monde qui croit, ou gagne la vie qui va jamais finir. Donc là, bon Dieu résout le problème péché, il résout la catastrophe ça, et il permet que ou capable d'avancer dans la joie et marcher devant bon Dieu. Le nous a parlé de ce thème de mot espérance, c'est pas un mot qui était seulement dans le Nouveau Testament, mais c'est un thème qui avançait sur toute la Bible et dans tout l'Ancien Testament. Il arrive que certaines versions rendent occasionnellement le mot espérer ou espérance dans des termes hébreux dont la racine exprime une nuance voisine. Par exemple, bata. Le mot bata représente un état de tranquillité. Un état de sécurité. Mot hébreu ça, que je ne prends pas le temps pour me dire, qui n'est pas plus important pour vous, mais mot qui est important pour vous maintenant, c'est espérer. Mot que monsieur te traduit dans l'Ancien Testament pour lui, sans que le gagne, son état de tranquillité. Donc, yon espérant, c'est un monde qui n'a pas de mauvaise nouvelle. Est-ce que nous l'avons avec vous? Parce que espérant sans fort était tranquille. Yon espérant, son monde qui a une tranquillité d'esprit, son monde qui sentit les sécurisé. De nos jours, nous sommes capables de réaliser qu'il y a pile de monde qui est malade. Tension nous monter mais haute.
nous venons diabétiques, nous forcés diabétiques. Parce que l'on a regardé des nouvelles, l'on a tant de situations, nous vivons dans la peur. Mais la convention, ça vient de dire, même si vous avez toutes nouvelles à gauche et à droite, bon Dieu nous chita sous trône, il contrôle tout le bagaille. Et un yé pas privé s'il pas bail autorisation. Y a un monde qui espère le papa mauvaise nouvelle. Il y a un équilibre. Donc avin du grand accident, mon gain espoir. Mais puis mon espoir qu'on a besoin gagner, même si petit point à mourir, il prend le bras Christ parce que lui pour bon Dieu. Même si pied marine t'a cassé, bon Dieu a fait plein pour le voyer au monde sur route quand même. Donc quel que soit chance a yé, monde qui espérant son monde qui équilibré, li pa peur mauvaise nouvelle. Il y a un deuxième mot donc qui yo traduit à lui-même, c'est le mot kazal en hébreu. Et mot ça, li évoqué sens comme si l'on a parlé des reins, donc solidité. Donc c'est une idée qui parlait de s'appuyer, de se soutenir. Donc espérance là permet que gagne situation qui arrivait. Son situation pour ta plonger. Ou lever matin, eh bien, yo boule business. Son situation pour ta plonger ou doué banque, c'est sous lit tout avenir au compte et pour être tout bagage ça écraser dans l'instant. Donc automatiquement faut ta affaisser, faut ta plonger. Eh bien, l'orgue et espérance, la bonne capacité pour soutenir, pour dire Seigneur, tout bagage sous contrôle. Est-ce qu'on est avec moi? Ou est capable de capacité pour dire Seigneur, tout bagage sous contrôle. Et l'appui est mal choisi. Donc, l'autre mot, c'est sabbat, qui c'est un mot tardif qui exprime examiner ou bien compter sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, il y a espérance pour aller dans le sens et dans le thème comme si on vivait une situation, mais on connaît une situation, ça ne va pas pourquoi. Ils sont bon bagaille. Les chrétiens, une situation qui arrive, dit ah, moi j'ai l'église, oui, j'ai pasteur, moi j'ai diacre, mon église a venu bon côté. Et c'est une bagaille qui fait force moun lors la situation difficile et pour moun vinn bon côté. Vous senti ou pas pourquoi? Hein, pasteur vinn prier, diacre vinn, dame yo vinn, jeune yo vinn et puis moun a vinn rassembler. Donc laisse ça ou senti ou pas pourquoi? Ou ramasson ouf ou senti ou ka avancer. Ou capable et avancer. Et un dernier mot que n'a parlé de lui matin qui parlait d'espérance encore, mot ça c'est un mot qui c'est yakal, mot ça c'est un mot commun mais qui exprime yon attente. Yon moun ki l'a espérance, li gen capacité pour le temps. Espérance là, bam capacité pour me faire ça pour me tendre. Un moun ka semblé devant mais pas qu'arrive avant. On parle avec moi. Ou qu'assemblé devant mon pas privé avant. Parce que ma voix, nous ne doit pas monter même type véhicule. Est-ce qu'on est avec moi? C'est à quoi on monde prend bus pour venir au caï et pour moi m'a flâner et puis me virer l'anti aéroport, moi prend avion. L'arrivée là caï ou je me chita la caï moi. Peut-être qui ça? Ou venir dans bus, moi vienne dans avion. L'on espérer ou pas peur rien. Ou qu'a 10 monde qui semble devant. Puis grand pasteur là qui semble prendre devant. Puis petit pasteur là qui semble aller net. Moun qui était dans classe où qu'on a travaillé là qui semble presque arriver et pour vouloir peur. Ou pas besoin peur. L'on seul jour, bon Dieu qu'a faut passer devant. Donc l'on espérer ou pas gain jalousie dans cœur. Avenir l'autre là fait que on content parce que nous tous gain pour nous arriver. Et puis ça qui puis bon, l'on a servi bon Dieu, n'a pas marché dans l'espérance hein. Côté qui plus loin nous gain pour nous arriver c'est dans ciel là. Dans ciel là pas gain classe, pas gain rang, nous tout nous pral là pour nous servir le Seigneur. Et puisque nous pral là pour servir le Seigneur, pendant nous sauter à Kounia, nous pas concurrents, mais nous sommes des frères. Donc si moi devant me calonger même ba ou qui derrière pour nous avancer hein, ensemble. Mes frères et sœurs, tandis que dans le Nouveau Testament, mon espérance là, il vient gain en valeur pour parler de la gloire de Dieu. De la parousie ou encore le retour du Seigneur Jésus. La vie nouvelle qui est en Christ. La résurrection des morts. Et c'est ça qui force l'Église. Ça, c'est un bagage qui paraît étrange. Si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, puis vous avez Jean Nouvel, Jean Noufré, il y a pas de comment ça fait, oui. Mais vous avez parlé avec un pasteur qui te dit
pour lui sortir de telle zone pour venir avec Coralie, il était besoin environ 78 000 dollars haïtiens, oui. Et il est venu. Vous voyez qui ça? Il a vu de servir un gros bon Dieu. Ça veut dire que même les situations difficiles ou productives, parce que bon Dieu a marché avec vous. Bon Dieu pas marché avec vous dans le bon temps seulement. Bon Dieu marché dans le bon coup dans le mauvais temps. Et nous n'avons pas aimé dans bon Dieu, mes frères et sœurs, leur marche avec bon Dieu, dans bon comme dans mauvais temps, c'est que bon Dieu qu'on est prend temps pour lui ranger la situation. Moi, j'enseigne ça dans l'église, moi. Dans l'église, moi, pas l'église, moi, mais l'église, moi, je bagage l'église, et bagage l'église, pas vrai? Dans l'église baptiste de Guichard, côté moyen pour le moment. Moi, j'enseigne, mon yo, l'entente difficile, yo, faut nous changer l'alimentation, nous. Parce que nous l'entendons difficile. Élie, c'est un grand serviteur. Si on parle d'un grand serviteur, par exemple, en Haïti, on ne peut pas saluer son Napoléon. C'est le président de la plus grande mission du pays. Il n'a pas grand pile d'argent, mais c'est un grand. OK? C'est un grand. OK, pasteur Napo, ou sûr que il n'a pas mangé la carte, pas vrai? Donc, on s'est considéré Élie même avec pasteur Napo. Donc, on nomme tant coup Élie. Bon Dieu fait, c'est encore beau capoton. Timon Sopin, l'embec, lui, a quand il calvionne. Et puis pour le bon petit crase l'eau. Ça veut dire que des temps difficiles, l'a espéré, lui apprend à nous économiser. L'apprend à nous gérer, l'apprend à nous marcher. Parce que le bon Dieu mande à aller doucement. Pour qui ça, dans le désert, là, pendant 40 ans, bon Dieu n'a pas peur d'Israël seulement la manne avec Tikaï. Yo pas de jambes grand goût. Yo pas de jambes vin mec. Yo pas de faire poids encore. Yo pas de gain tension, pas de gain sucre dans désert là, mais si manger ça te prend soin yo. Lo espérant, gen nous son bon dans nous manger à konti sauce aran, même si aran vin cher en pile gounia. Parce que on ti mak aran coûte cher. Mais de pour prier sous lit. Bon Dieu a fait le faire merveille encore, oui. Moun qui espérant, li pa fait boire de l'anyen. Li pa exigeant. On madame espérant, pa exige maril. Yo petit espérant, pa exige maman avec papa. Gen de kote ou te ka l'école parce que bagala di kounye. Parce que c'est pas un gros l'école qui a fait un moun, c'est bon Dieu l'ancien là qui a fait quelque chose. Donc, pendant qu'on a espéré, l'espérance permet qu'on ait une capacité pour changer le style de vie. Je vais marcher, je vais parler, je vais comporter. Parce qu'on sont l'autre monde. L'espérance a changé la vie, a changé la donne pour vous-même. Écoutez, mes frères et sœurs. Je ne vais pas me plaindre pour l'heure. Parce que dans le séminaire, le premier sermon que j'ai fait prêcher, c'était entre 5 à 8 minutes. Je ne vais pas dire que je ne vais pas le temps pour me faire. Mais comme professeur, puis petit pour gagner long là, c'est inédit. Donc, par contre, si je suis capable de joindre tout, mais moi, presque fini, non pas besoin de peur. Moi, je veux faire une petite différence pour nous entre l'espoir, monde qui n'a pas de bon Dieu, et l'espoir, monde qui a un bon Dieu. Espoir, monde qui n'a pas de bon Dieu, en pile fois, les chita sous objectif terrestre et temporaire. Par exemple, il y a des gens qui pensaient que, puis quoi, espoir, faut venir un grand professionnel, le plus grand médecin, plus grand agronome, plus grand ingénieur, un grand professionnel, aime bien gros l'argent, m'a couru gros machine, c'est comme si c'est là ça qui fait succès. Faut un grand artiste, faut son un monde vraiment de haut rang. Faut grand pile bien, faut grand pile caille. Et ça que le monde ça parler, l'a étalé valait bien. L'a vie parler valait bagaille que le fait monde qui dans monde là. Mais bagay sa yo, yo éphémère. On appelle sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont 3-4 cailles. Je dis, c'est quand même y a dormi. Même si ce n'est pas en Haïti, mais il y a l'autre bord, c'est quand même y a dormi. Et on pas même des corps pour faire. Parce que bandit fait quitter tout pile caille que y a. Donc ça yo éphémère. Ou y a 10, 15 cailles, machine là-dedans, qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Ça servit. Ça pas servi ou grand-chose. C'est vrai que nous avons besoin d'elle. On belle caille, on belle machine. Si nous pas gagné, c'est dit mon Dieu mais si nous pas gagné tout, ça pas doit déranger là la vie. Tandis que l'objectif de l'espérance biblique,
c'est la communion avec Dieu. Ouais, l'espérance du monde, c'est les affaires, les choses pour faire mon ouin, mais l'espérance biblique, c'est la communion avec Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la réalisation du dessein de Dieu pour l'humanité. Et comme ça, moun sa a cherché établir une bonne relation entre lui-même avec bon Dieu et puis pour vivre en accord avec valeur, avec enseignement. Donc, on moun kap marché dans l'objectif de l'espérance biblique. C'est pas un monde qui ouait tête li selon pensée personnelle li, mais c'est un monde qui ouait tête li selon la volonté de Dieu. En pile fois nous qui dans l'église, quand on nous retire tête pour nous garder même avec monde dehors, nous souffrons. Est-ce qu'on j'aime peser tête ou parfois, quand pas qu'on a souffri, c'est parce qu'on pas garder l'on perspective biblique, monter garder l'on perspective mondaine. Comme l'autre monde gagne, il faut gagner tout. Mais on différent de l'autre, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean l'autre pensait ou t'es qu'à penser comme ça hier, mais qu'on en son l'autre monde, ou c'est monde par bon Dieu. L'espoir du monde peut varier en fonction des aspirations individuelles, mais il est souvent centré sur la recherche du bonheur terrestre ou de la satisfaction personnelle. Cependant, cette recherche est peut-être insatisfaisant et conduit à une quête incessante de gratification. Donc, en conclusion sur l'espérance biblique et la perspective, l'espérance humaine, l'espérance biblique offre une perspective spirituelle, éternelle, centrée sur Dieu. Est-ce que l'Église a la main? Moun kap vive l'espérance selon la Bible, faut que l'espérance soit centrée, hein, une perspective spirituelle, le chaque baraye, qui sa bon Dieu dit, qui sa Bible a dit, sous une perspective éternelle, mon cher, ouvre les courriers pour ça, ou mettre qui t'aille, parce que Kaipam pas bon ici, Kaipam c'est dans le ciel. Ouvre le travail là, pas de problème, ou mettre pour un travail là, mais qui t'aime en paix, parce que moi j'ai une place dans le ciel là, l'homme dans le ciel là, je ne peux pas le travail, même pour adorer le Seigneur. Ou remet ça, ou mettre pour un. Parce que moi-même, je vais aller dans le ciel. C'est espérance pas maintenant. Et là, prend là, c'est pas que je passe. Équilibre dans la pensée, dans la mentalité, dans la façon de vivre et dans la façon d'agir. Maintenant, on va arriver dans le stade dans le moment matin pour nous arriver à un petit temps de réflexion. Implication, promesse bon Dieu pour la vie, nous. Et quelques petites réflexions sur l'application que nous avons besoin de faire. Première réflexion, qui ça nous fait apparemment le nous désespérer dans la vie? Nous. Réponse à c'est vous-même. Le sentir désespéré. Ou sentir ou échoué. Qui ça fait? Mais ma, qui doit aller avec une proposition de réponse? Je vais encourager, même si vous voulez désespérer, mon besoin quoi dans fidélité bon Dieu même dans temps qui est difficile. Deuxième bagage, comment nous capable vivre la foi nous pendant que n'a espéré le pas ta gain raison pour nous espérer encore. Espérant contre toute espérance, ça veut dire que pas gain raison pour m'espérer là, pas gain raison pour me croire là. Réfléchis à ça. Et s'il te permet, peut-être moi te gagne quelques petits groupes de discussion matin, tu vois une font travail en groupe et peut-être capable prendre comme question de discussion pour discuter dans les dames de l'église, dans l'association de jeunesse, dans les réunions des groupes d'hommes, enfin en famille ou capable discuter. Quels sont les défis que nous rencontrons lorsque nous espérons contre toute espérance? Quels sont les défis, qui gros défis qui compte camper devant nous? Le nous voulons espérer malgré pas de place pour nous espérer encore. Un exemple dans la Bible, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Parce que maintenant, on sait que la résurrection, c'est source d'espérance pour tous. Les mesdames ont levé bonnet le matin et acheté parfum. Ils ont dit, ils ont pris le tombeau, Seigneur, pour aller en bonne école. Monsieur était trop bon pour nous-mêmes. Monsieur vraiment son monde spécial. Donc, avant de mourir, nous t'avons mis en bonne école. Et vous prenez route pour aller. Matthieu dit nous, mesdames, vous avez avancé. Mais Marc dit nous, pendant mesdames, vous êtes en route, vous avez un bagage qui passe dans la tête.
devant porte tombeau, t'es un gros roche. Devant porte tombeau, t'es qui ça? Un gros roche. Et qui est soyez, femme? Et maintenant, je me pose une question. Qui est-ce qui peut rouler roche là pour nous? Mais selon ça, Matthieu dit nous, mesdames, vous n'avez pas de chita, vous pensez à roche puis vous dites, pas avancer, vous continuez à avancer quand même. Et là, vous arrivez, vous jouez une roche là où vous êtes. Mabdou, là, vous avez espéré ou pas penser à obstacle, mais vous pensez à vision que vous avez. Pas quitter obstacle pour chita. Pas quitter ça, vous dites, pour camper. Parce qu'on ne peut pas avancer pour le monde, ou un objectif, ou un côté pour aller. Pas quitter obstacle, camper relation avec bon Dieu, mais avancer. Moi, j'ai une petite image ça, que je vais utiliser rapidement, qui a trois couleurs là-dedans. Il y a un côté qui a quatre, mais trois. C'est vrai que pas tout côté de Boisigel, en Haïti, mais nous avons connu quelque part, c'est les feux routiers. Si vous courez machine de loin, ou la lumière rouge, vous commencez à aller doucement, pas vrai? Lumière rouge, c'est un obstacle, pas vrai? Après lumière rouge, qui lumière vient? Vert. Entre lumière rouge et lumière vert, qui ça gagne? Lumière jaune, pas vrai? Bon, lumière jaune qui paraît. Mais depuis où est la lumière vert là, guys? Pas quitter aucune lumière rouge, il faut camper sur la route là. Parce que après lumière rouge, il y a une lumière vert. Et j'aimerais te dire là, vers l'assassin, espé. Vous mettez qu'on est debout avec une grosse lumière rouge qui a clignoté devant Dieu. Tout ce d'après, c'est lumière vers là qu'on va le lumière rouge a fort camper net. Si vous pas camper, vous pouvez faire accident. Si vous pas camper, vous pouvez faire problème. Et c'est comme ça lié de la vie. Vous avez des côtés, vous avancer. Là où il y a des problèmes qui viennent de vous, besoin de camper pour tendre lumière vers la paret. Et la paret, on n'est pas capable de barrer. C'est l'espérance. Car il y a un obstacle qui vient, mais obstacle n'est pas là pour tout le temps. On dit beaucoup de choses là. Obstacle n'est pas là. Obstacle n'est pas là venir, mais obstacle n'est pas là. Difficulté gen pour venir mais Jésus là et ça ah nous connaissons ça pas vrai difficulté yo gen pour qui ça venir mais Jésus là route yo pas barré pour tout temps pays a gen pour gen président yo premier ministre gen pour gen des sénateurs des hommes droits des hommes honnêtes des hommes intègres le pays ça gen moun sérieux là-dedans Haïti gen pour changer. Oui, jusqu'à présent, vous n'avez pas une personne. Parce que vous n'avez pas une bonne personne n'a pas arrivé. Et les bonnes personnes n'ont pas arrivé, bon Dieu pourra l'utiliser. Et je dis, une bonne personne n'a pas forcément l'ami de monde, nous avons dit gauche à bras qui a une expérience. Parce que les merveilles que bon Dieu a fait, expérience parle, Gauti Toto l'a préparé à terre. Gauti Demoiselle l'a préparé à terre pour changer Haïti. Mon bon Dieu pourra changer Haïti, il n'y a pas besoin de aucun parti politique, tête chaque qui gagne Haïti. Mais il pourra le faire au monde. Espoir pour ça. La deuxième question de réflexion que nous avons posée, réfléchir avec nous. Quelles sont les situations dans lesquelles nous sommes censés perdre espoir aujourd'hui? Quelle situation aujourd'hui a où tu es venu dans la convention, mais on n'a pas espoir encore? Est-ce que c'est mariage ou? Est-ce que c'est travail ou? Est-ce que c'est business ou? Parce que je dis, les gens qui font commerce ou seulement à travailler pour les négociants. Parce que si vous achetez ou vendre, l'on tourne, l'argent qui achète n'a pas acheté même valeur de bagages encore. Et le système qui construit dans le pays, le système de crédit qui construit dans le pays, c'est un système qui décrédit qui a soucié nous. Taux d'intérêt qui met sous de nous, son taux d'intérêt qui a fini avec nous. Et après chaque fois que nous entrons dans le système, ça, nous venons plus pauvres. Et si ce n'est pas de l'évangile, il n'y a pas de pitié pour nous. Mais l'espoir qui gagne, c'est que bon Dieu a un pour le faire pour nous-mêmes. Vous connaissez mes frères et sœurs,
Pour mon Dieu faire ce bagage pour nous-mêmes, je prends un deuxième personnage dans l'histoire de la résurrection. Deuxième personnage, là, c'est que c'est l'histoire de Thomas. Jésus ressuscité, bonheur. Li allait aux disciples, monsieur Owel. Thomas bat là, l'alflonel, Thomas vini. Thomas dit, moi-même, monsieur, nous disons Jésus ressuscité, Thomas tombe rinèg, yo, li ri kraka kraka, fomda oué Jésus ça, fomda foure même là, côté cloate, percé, fomda autre même en botte, ou côté autre pour ça, pour m'da dit ressuscité. Tellement pas quoi que Jésus ressuscité. Et ça, c'est un homme qui est dans Thomas, oh, excusez. Et pas c'est Thomas qui est ici. Non, Thomas, son nom, tête chargée. Et. Jésus dit, ah, ok, parce que Jésus compte tout le bagaille. Bible dit nous que 8 jours après, le dimanche, pendant que monsieur réunit Thomas, là, sûrement la banne est farouche. Ah, dit, comme tu dis, nous ne pas réussir, écoute, nous ne pas réussir. Et puis Jésus paraît. Il dit, Thomas, avancez-moi, fourrez-moi là. Thomas entre, doit être là. Chut. Par contre, s'il sortit avec sang, mais l'entrée. Il promet Thomas, entrez le bon côté là. Chut. Simon sortit avec sang. Et puis Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, Thomas, puisque où est, ou quoi? Bénédiction pour le monde qui va croire sans le monde. Monde qui est incrédule, pas capable de marcher dans le chemin de l'espérance. Pour avancer sur le chemin de l'espérance, il faut croire sans le monde. Et l'espérance en lui-même, pas qu'il n'y a pas besoin, ouais. C'est marcher par la foi et non par la vue. Troisième question. C'est comment pouvons-nous soutenir et encourager ceux qui traversent des moments de désespoir? Ok, ça c'est une bonne question pour nos pasteurs, pour nos moniteurs, que nous sommes capables de poser la question. Qui est-ce capable d'aider les gens qui désespèrent? On sait qui désespèrent. Il y a une église encore. Il n'y a pas venu dans le groupe là. Il y a un maestro qui désespéré. Il y a un moniteur qui désespéré. Il y a un membre choral qui désespéré. Un pasteur qui désespéré. Un père de famille qui désespéré. Parce que leurs gars sont là. Parce que je dis, vous avez madame, 5 000 gouttes à le marché. Il n'y a pas qu'à non. Mais le salaire minimum nous en Haïti, il permet qu'on puisse vivre entre 14 à 17 000 gouttes. Donc, vous pouvez imaginer, un papa, bah, madame, ni 5 000 gouttes. Et qu'on a, c'est pas un pile l'an, nous, quand on travaille. Comment on va la difficile? Il y a qui prête pour courir, oui. Madame, il n'y a pas qu'à courir parce que si vous là, vous résignez, vous, quand vous avez démaigri, vous avez venu rabougri, cheveux dans la tête, vous avez blanchi. Comment nous sommes capables d'aider au monde qui est dans le désespoir comme ça? L'exemple encore, c'est l'exemple de la résurrection que je veux prendre pour partager ensemble avec vous. Sur le chemin de Maïs, le jour de la résurrection, il y a 2-3 disciples, Cléopas et l'autre, qui a marché, puis a monté. Pendant qu'il a monté, et puis il y a un monde qui pleut pas avancer par côté. Et puis il pose une question. Monsieur, ça n'a pas l'air comme ça. Il dit, ah, mais c'est vous-même qui parlez en ville là-là. Vous attendez, il y a un homme qui aurait le Jésus. C'est lui qui était espoir. C'est monsieur nous connaît que tu vas venir prendre un pays, que tu vas changer tout le bagage pour nous-mêmes. Gros monsieur religieux, il prend, il touille. Ils ont enterré, ils ont mis un gros chef baril. Et puis, ça qui dit, matin, il y a quelques mesdames qui t'ont regardé, qui ont laissé un beau école. Et puis, là, ils sont arrivés, ils ont dit, monsieur, levez. Mais ce n'est pas seulement ils ont dit, il y a deux trois autres avec Pierre, avec Jean, qui t'ont regardé, ils ont dit, ils ont dit, même parole là. Selon Luc 24, verset 13 à 32. Et puis, Jésus dit, monsieur, bon incrédule. Pour qui ça nous parle quoi, sa parole, bon Dieu, dit non. Mes frères et sœurs, et puis Jésus commençait à enseigner. Je connais l'homme dans l'église, grand pile incrédule. Grand pile pasteur incrédule. Grand pile madame pasteur incrédule. Grand pile diacre incrédule. Grand pile moniteur incrédule. Grand pile membre de l'église qui est incrédule. Incrédule, ce n'est pas que nous ne sommes pas sauvés, non. Ce n'est pas que nous ne sommes pas Jésus, non. Ce n'est pas que nous ne sommes pas bon Dieu, non. Mais nous connaissons bagay ça, bon Dieu, papa Caladan. Ça, c'est forme incrédulité, pas mon gagne dans l'église. Ça, il n'est pas possible pour bon Dieu entrer là-dedans. Mais ma Dieu, pas de détail que bon Dieu peut entrer là-dedans. Et qui ça Jésus fait? Jésus finit Dieu incrédulité, lui enseigne.
Je dis à grand pile monde qui besoin enseignement les au désespéré. Pour dire dans un moment de désespoir, Jésus là, il est capable de faire qui change pour eux-mêmes. Mes frères et sœurs, il est important pour penser à ça, pour garder ça et pour vivre réalité ça parce que c'est monde pas bon Dieu que vous. Le terme espérant contre l'espérance nous rappelle que la foi en Dieu va au-delà des circonstances visibles. On n'a pas espéré, c'est pas ça nous ouais. Depuis où on parle d'espérance encore? Depuis où ouais? C'est là on pas qu'on ouais du tout. Où besoin commencer à espérer. Tout comme Abraham a choisi de croire en la promesse de Dieu malgré l'espérance, l'apparente impossibilité, Dieu nous sommes appelés à avoir une foi similaire dans notre propre vie, en appuyant sur la promesse de Dieu, en gardant grand espoir en lui. Nous pouvons surmonter les défis et vivre la confiance en la fidélité de Dieu. La dernière chose que Dieu nous donne comme espérance, selon Paul, dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, « Pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus. » Et chapitre ça, c'est 100 livres là. Nous seulement, il dit, « Pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus. » Il dit que, eh bien, même si le noir prie et nous manque force, cet esprit n'a pas des soupirs inexprimables, les adresser nous à bon Dieu. Et il continue pour le dire que ni le mort, ni la vie, ni maladie, ni grand goût, ni nudité, rien n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a un gros espoir. Même l'ensemble a un désespoir, il y a un gros espoir. Mes frères et sœurs, j'ai en tête deux choses que je devrais partager avec vous. Cependant, le temps me fait vraiment la guerre. Je vais partager une avec vous. Mais jusqu'au moment où je parle avec vous, je vais qui est-ce que je partager avec vous dans deux. Parce que tous les deux intéressants. Je vais prendre une. Est-ce que vous avez l'histoire d'Élisée qui se passait en Romains, en deux rois, chapitre 6 et chapitre 7? Lorsque vous prenez le pays Samarie, est-ce que nous là? Vous prenez le pays Samarie en otage, en entouré. Et à cause du mauvais comportement du peuple. Et puis, roi a marché, puis il rencontre une dame qui explique la situation, et ça a bouleversé roi, il a cherché contre Élisée pour lui faire tuer Élisée. Et maintenant, quand il y a là, roi, vous voyez, il y a un officiel à côté d'Élisée, et Élisée est venu, et Élisée commence à parler avec monsieur. Élisée dit wa, demain si Dieu veut, dans l'heure ça, manger tes extrêmement chers dans le pays, l'ab descend plat à terre. Et puis l'officier a dit, même si, bon Dieu, tu as ouvri porte ciel là, sans dire, pas qu'à faire. Élisée gardait monsieur, Élisée dit monsieur, ça m'a dit, la fête, cependant, ou pas qu'à faire. Amen. Ah, frère, avec ça, il y a nous camper devant la puissance de la parole de Dieu. La parole, bon Dieu, c'est oui et ah. Vous connaissez ça, moi, remets dans l'histoire, mes frères et sœurs. Monsieur, yo, entrez. Il y a quatre lépreux. Quatre lépreux qui chitent dans la barrière à Kaiwa. Les lépreux sont monde socialement pas de valeur. Que la société rejette. Mais comme il y a un souffle encore, ils sont là. Et quand M. Sachita, bon Dieu, mettez yon bagay passé dans la tête nègre. Quand il dit comment bon Dieu va le servir avec vous. Monsieur dit, si notre deux Samarie n'a pas mouru gros coup, parce que la gala divisée. Si nous avons chita côté nye, n'a pas mouru gros coup. Bagay la pizzi touche. Nous prenons l'encan, ennemi. Si yon va nous manger, nous bon. Si yon touye nous tout, nous ne pouvons pas dire rien. Parce que quand nous entrons là, nous mourons. Quand nous restons côté nous, nous mourons. Donc si nous mourons, nous mourons, puis bon toujours. Mais si nous avons mangé, nous avons mangé. Mes frères et sœurs, vous pouvez lire le texte pour être capable de sous-sel parce que c'est merveilleux. Le texte dit quatre messieurs prennent direction. Les messieurs arrivent. Messieurs ne rentrent pas dans le premier cas, ils ne parlent personne. Nèg yo jwenn manje, yo manje, yo jwenn lò, yo jwenn bagay, yo chay. Nèg yo pral antre nan deuxième kay, nèg yo di l pa possible. Si bon Dieu fait tout ça pour nous-mêmes, et puis n'arrête manger tout manger là, la etan sorti là, faut nal bay bonne nouvelle là peuple. Les nèg yo rive yo bay nouvelle là, bon c'est des lépreux, yo pa même croyo.
roi a été seulement 6 chars comme ça, comme stratégie dans le pays. Hein? Et puis, roi a voué 2 nègres à le garder. Nègres couru tout partout, yo est bien loin après de l'eau. Donc, rat bagage lagé sur route. Et puis, il a une nouvelle là, dans le peuple. Et quand il y a là, le peuple a tellement télébré, il est parti. Soldat te dit, même si mon Dieu t'a ouvert le porte-ciel là, monsieur campé la barrière. Le peuple a passé sous lui. Je ne t'ai dit aujourd'hui, il y a monsieur plus qu'un béka. Le peuple a crasé, monsieur. Et puis, il y a descendu en bas, il a mangé, il a bambilé, il a fêté, cœur est content. Mais vous connaissez l'histoire, dit. Et ça, comme je dit, dans Romains 17, il y a deux bagailles. Dieu est le Dieu des vies, des vivants. Deuxièmement, bon Dieu est capable de servir avec ça, pas de bien, avec pas de rien, pour le faire merveille. Les 8 messieurs ont couru en 30 ans. Chaque fois qu'on met pied ou à terre, bon Dieu fait pied ou frapper, comme si c'est de gros chats de guerre qui t'ont entré. Et la messe a tendu pied 4 vauriens, ça, yo, qui a venu sous yo. Ces pieds vaut rien, mais qui marchent avec la puissance de Dieu, qui marchent avec la grâce de Dieu, qui marchent avec l'autorité de Dieu, messieurs, mettez dehors. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Pour bon Dieu délivrer, il est capable de servir avec monde qui ne vaut rien pour faire des bagages extraordinaires. De même que, bon Dieu, par contre, seulement servir avec vaut rien, mais bon Dieu, qu'on servit avec des hommes extraordinaires et intelligents. Ce matin, mes frères et sœurs, vous prenez la caillou. Je suis sûr que vous prenez la caillou avec l'esprit, pas parce que tout problème pral fini. Non. Je ne vous garantis ça. Mais garantis que je marche dans le désert, là, main dans la main avec bon Dieu. Pendant que vous marchez main dans la main avec bon Dieu, vous avez des côtés bon Dieu à lever, à l'hypothèse. Vous avez des côtés bon Dieu à cacher dans tout roche là. Gede bon côté bon Dieu a même sous un dans founaise là l'a fait un plan pour vous-même. C'est pour bon Dieu espérance là. Créer, renouveler, propulser l'esprit d'espérance dans la vie de chacun d'entre vous ici présents ce matin, de nos auditeurs à travers les ondes de la radio Lumière et de nos internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde et tous ceux et celles qui auront à prendre le temps pour retourner, pour entendre et entendre encore les messages qui ont été véhiculés à travers ce thème. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur infiniment pour le message de sa parole. Donc, c'était réellement complet. On va le finir, mais il n'est pas tellement bon là où on a pris tout pendant ce chien, non? Il n'est pas tellement bon. On va le finir tout à l'heure. Parce que donc, pour nous capables de terminer, nous avons pasteur Wilfried Raymondville qui t'a souligné, signalé nous tout à l'heure, qu'elle t'a écouté nous, qu'on est pasteur Wilfried Raymondville. C'est un monde qui voit en pile bagaille pour ici là. Toute chaque convention, c'est lui qui est toujours fait. Yo. Donc, je vous dis à grand pile, l'autre monde qui est remplacé, ça c'est très bien. Mais nous saluons là, côté lié. Non, pas qu'on est si. Secrétaire là, lui-même là, n'a pas passé Bali pour être capable de partager les dernières annonces ensemble avec nous. Et après ça, nous allons chanter sans inquiétude sur son manteau de grâce. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Nous avons rappelé, parce que nous disons ça déjà matin, et nous avons quelques personnes qui ont prêlé et qui t'a vraiment aidé avec la convention. Nous dit numéro que nous gagnons, zèle que nous gagnons, nous avons confirmé encore. Nous gagnons 6 à 10 dizaine de monde qui déjà déposé là-dedans. Si vous déposez dans l'autre numéro, ce n'est pas pour nous.
n'est pas pour le comité exécutif là. Vous voulez faire l'autre bagaille. Mais si vous voulez aider nous dans la convention, mais le numéro n'a pas. Tout le monde, Captain Din, et sous voyelle, n'a pas gagné non, n'a pas remercié ensuite. Si vous ne pas remercié, pas dit c'est bon, nous te voyelle. Et ça fait n'a pas confirmé. Tandis, numéro n'a pas. C'est le numéro zèle que nous gagnons. Nos mêmes comités exécutifs là, c'est 240-240-098-398-79-79-70. Zelsa, c'est Jean Mésidor. Nous pouvons reprendre pour tout le monde capable de comprendre. Si vous voulez aider nous, il y a pile de dépenses pour la convention. Il y a l'autre bagaille que nous avons besoin de faire dans la mission. Si vous voulez aider, vous êtes capable de déposer l'agent sur le numéro 240-398-79-70. Et nous demandé pour tout ancien et nouveau étudiant FTL, branche CAI, Faculté Théologique Lumière, CAI, pour être capable de faire une rencontre. Après-midi, après service des heures, là, dans le local IBL, là, tout ancien et nouveau étudiant FTL. Et responsable de FCO, mandé pour toute femme, pour être capable de réunir dans l'école biblique là, à 3 heures et pour défiler traditionnel. Toutes mesdames, yo, net, pour nous capable de réunir, pour nous capable de défiler pour service. Et femme chrétienne, département DFCA, qui a fait à 6 heures. Nous avons cité déjà, membre commission construction complexe administratif, tout de suite service a terminé là, nous avons dans le bureau. Nous avons une liste de monde ça, que nous avons cité après, service ça, capable de monter dans le bureau et puis nous avons besoin. C'est veuve. Ousmane Télémac, c'est veuve Élivien Élisée, nous avons veuve Luc Joseph, pasteur Erian Sildeyas, pasteur Claubert Favien, et pasteur de l'église La Roche-au-Pont, pasteur de l'église Cavaillon, pasteur de l'église Faugé, pasteur de l'église Savon, pasteur de l'église Nan-Raymond. Il y a carrément, il y a non-Raymond. Nous citons non-Raymond, ce n'est pas carrément, non-Raymond. Pasteur de l'église Fontortu, pasteur de l'église Baselet, pasteur de l'église Jean-Pac, pasteur de l'église Carrefour Tiburon, pasteur de l'église Laborde, pasteur de l'église Bouffard. Et après-midi, c'est l'heure de l'école biblique, nous avons annonceur, c'est révérend Dr. Peterson Benjamin, dirigeant Frère Hudson Nazaire, lecture, c'est révérend Wilner Joseph, prière, révérend Oreste Desrosiers, nous avons une sélection spéciale, nous avons une collation des diplômes pour IBLD, et nous avons un messager, c'est révérend pasteur Jean-Valéry Vitalem, et prière, c'est révérend Pierre Clessois Clément, bénédiction, révérend Jean-Benoît 1. N'après-midi, par dirigeant, et pendant que nous avons salué Mme Pasteur Lunon Chéri, qui branché la convention. Merci, secrétaire. Nous campé de beau. Nous allons terminer en chantant. Sans inquiétude, sous son manteau de gosse. Sans inquiétude, sous son manteau de gosse. Là-haut, prends-tu ma place.
était l'amour de mon sauveur des fraîcheurs, des fers. La tour de puissance des bras de Dieu m'environne et me renforce. Je suis plus que vainqueur. Oh, dans cette vague de temps. Car il est avec moi. Oh, mon père, mon père, mon père a déjà vu, c'est mon passeport. Là-haut, bras ouverts, bras ouverts, et il t'attend. Que du ciel ne pas comprendre cette grâce de toi, infini et mon Dieu, qui parle de mon là-bas, prier au Tata, au Tata, amen. 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 Le pasteur Exa Jean-Wilfried, Jean Wilson, c'est lui qui a une responsabilité pour capable terminer par la prière pour nous-mêmes et le révérend pasteur Mélusémé Borgelin va passer pour faire les bénédictions à la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, Papa nous qui dans ciel là, nous comptons maintenant Seigneur pour nous réunir dans la présence où, pour nous adorer au Seigneur, pour nous bonne gloire, parce que Seigneur vous digne de toute gloire, parce que Seigneur vous méritez gloire, pas de l'autre encore. Dans le moment ça Seigneur nous comptons parce que nous t'es bénéficié grâce où. Merci Seigneur pour parole ou maintenant, vous voyez par chaque petit tuyau. C'est un plaisir, Seigneur, pour nous chita étendre et instruire la parole. Merci pour ce serviteur, Seigneur, où tu es chargé, où tu es commissionné avec parole, Seigneur, pour enseigner nous comment nous devons rester, Seigneur, et vivre dans l'espérance. Parce que, Seigneur, où c'est bon Dieu qui vit de toute espérance. Seigneur, merci pour ça. Merci pour le choral que tu chantes. Merci, Seigneur Dieu, pour toute bagaille que tu fais dans le service, ça, Seigneur Dieu. Merci pour la mission qui t'a organisé, Seigneur, série ça. Les moments arrivés pour nous partager. Je souhaite, Seigneur, nous va quitter ton plan
et retourner tout à l'heure pour continuer avec l'activité Seigneur ça. Nous espérons que ça nous demande, on va faire. Et même plus que ça, nous va demander. Parce que nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de l'espérance fasse en nous ce qui lui est agréable et nous permet de demeurer fermement dans l'espérance autant que nous sommes encore à l'existence, afin que nous puissions être en mesure avec lui pour partager la gloire, non pour un peu de temps, mais éternellement. Amen. Merci bien, que mon Dieu bénisse nous. Allez en paix, Napton Obita. Donc, ça le comme ça, c'est l'heure de l'école biblique. Le bon Dieu qui va bénir. Comprendre ça. Ou sans tout à mettre des mains en tête ou tellement les loups avec problème. Ou t'allons côté loin pour rallon souffle et puis pousser une rel bien longue. Parce qu'on senti ou à bout, ou d'où par ouais côté espoir sauter dans fait noir pour ça. Ou qu'on est, c'est l'aile paraît puis fait loin grand et bon Dieu manifester. MEBSH, Mission Évangélique Baptiste du Sud d'Haïti, croit en vérité ça et invité au participer dans 88e convention annuelle, sortie 10 pour 14 avril 2024 là, dans Grand Tabernacle Simon au CAI, sous thème Espérant contre toute espérance. Romains 4, le verset 18. Oui, la 88e convention annuelle de la MEBSH, un rendez-vous 100% espérance. Prédicateur qui choisit pour convention, pral di ou, ak Bible nan men yo et sous direction Saint-Esprit, pour qui ça, qui Jean et qui bénéfice l'on place espoir au nom mon Dieu. Sorti 10 pour 14 avril 2024 la 88e convention annuelle MEBSH au CAI, sous thème Espérant contre toute espérance. Romains 4, le verset 18. La 88e convention annuelle de la MEBSH, c'est la convention de l'espérance. Thank you.
Assemblée